Putain, il faut que je fasse une vidéo d'introduction. Ah, ah, vous êtes là? Salam. Salam les chers, c'est vous ou quoi? J'espère que tu. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les aventures de Aziz Mouzazi. C'est très simple, en fait, c'est ma première vidéo où je vous propose un épisode, tu vois? Donc, fais pas ton. Hein? Mets un petit like s'il te plaît, tu partages, tu t'abonnes, t'actives la cloche des notifications, etc. Et j'espère que cet épisode il va trop te plaire. Et voilà, c'est tout. Je te souhaite un bon épisode. اللي غاطر وتامي مش تديد ودي غلمك شمي ويغادر تسين شام وتراح اي 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 بيتان جي في اوبليي سيت بيتان توني دي ميرد لا ليبرتي اي هي هي لا ليبرتي بيتان لوس سونتوس فيس دي بي La ville du fils d'épée. Putain, je me souviens, j'avais encore de la cigarette dans la poche. Ah putain. Ça, c'est la vraie cigarette de Los Santos. Pas les cigarettes de merde qu'on avait en missile. Aïe, 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 aïe. Ils vont voir le retour de Aziz Mouzazi. Oh, il a une tête. Aziz Mouzazi. Le retour. Un putain de perso revu. Aïe aïe aïe, une tête à peur. Téléphone, il marche toujours là. Ah, mon fils. La photo de mon fils. Et Sam. Il y a un taxi, déjà. On va aller faire nos papiers. On va faire ce qu'il y a à faire, on va essayer de trouver un petit peu d'argent et acheter notre première voiture. Bien entendu, c'est un gars illégal. Donc pas de permis, rien, il n'y a rien à foutre, c'est un blédard, frère. Je trouve ça dégaine déjà. J'espère qu'il y a des taxis. Hein. Allez, ce taxi, bonjour. Salam alaikum, khoya. T'es peur, toi, venir chez moi à la prison, là, ça y est, j'ai sorti le son de Tosnik, sa mère, je sors maintenant. Ouais, envoyez une position, monsieur, je vais voir si mon collègue est plus près de chez vous. Khoya, vas-y, je t'envoie, ça va. Merci, monsieur. Vas-y, ouais. Salam alaikum. Ya ya. Attends, je monte derrière. Hein. C'est qui le monsieur là? C'est un client comme vous. Vas-y. Allez, je s'assire là. Ah, Roya, je vais être sorti de prison si tôt, t'imagines? Putain, vas-y, dépose-moi là. Dépose-moi à cette putain de ville de Los Santos. Tu vas aller au 24-7? Ramène le 24-7. Je me souviens de cette putain de boutique de merde. Là-bas, plein de bagarres j'ai fait. Hein. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Putain, Los Santos, toujours la merde. Hein. Bon alors, qu'est-ce qui se passe là, la nouvelle génération? J'ai vu. Nous, tu sais, on avait les Tilly là-bas. Hein. J'ai vu les Tilly, les fils, Abicour et tout, même 15-6 ans. Et... Pas de hachma, c'est. Ils s'habillent comme ça. C'est vrai ça? Les putes. Ah, les putes. Tu sais, moi, j'ai connu bien les putes. Hein. Moi, j'en ai eu beaucoup quand j'étais jeune. Hein. Ah ouais, c'est vous qui avez posté sur Zoop. Ouais, c'est moi, Aziz Bimo, ouais. Carré, vas-y, pas de soucis, je fais ça. T'as vu, beau gosse, hein? T'as vu, beau gosse la photo, hein? Ouais, doucement. Ah, t'es un beau chauffeur, hein? T'as vu ça, mec? Ah, t'es gentil. Ah, ouais, t'as vu, j'ai pas beaucoup de. Allez, la petite facture. Fais pas la pute, hein? Une petite facture. Je fais 50$ de moins. Ah, t'es gentil, ça se voit, t'es gentil, toi. Comment tu sais? Mec. Jamal, c'est ça, hein? Ouais, Jamal. Ça se voit, t'es gentil, toi, Jamal. Ah ouais, putain. Toujours. Ah, putain. Ah, ça pue. Vas-y, force à toi. Ouais, vas-y, force, hein, Jamal. Hein, merci. Vas-y, force. Vas-y, khoya, salam alaikum. Téléphone et tout, on a déjà. Hein. Et personne. Ah, putain. Ah, vas-y, j'ai claquette, je vais avoir les soufflettes, faut que j'achète une voiture.
C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça, la musique? C'est quoi ça? Aïe, aïe, aïe. Ah, les jeunes, ils ont changé. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, les jeunes? Ça va quoi? Ça va, toi? Ah, alhamdoulilah. Ça, c'est comme ça, 2022, là, ça a changé. Hein. C'est nous, les méchants. Ah, j'ai vu, vous avez quel âge, les jeunes? Moi, j'ai 23 ans et toi. Aïe, aïe, la génération, c'est écoute des musiques comme ça? Oui. C'est ouais. Quoi, la grosse moula? C'est quoi, ça? La grosse moula, c'est quand t'as beaucoup d'argent. Aïe, aïe, l'argent. C'est quoi ça? Mais c'est bien, les jeunes, c'est bien. Allez, venez, j'ai faim un petit peu là. C'est vrai. Putain, Los Santos, ça faisait longtemps, sa grand-mère. Tu bois de l'eau pétillante par contre. Eh, vas-y, donne-moi un truc à manger, n'importe. J'ai un peu d'argent sur moi. Eh, 7 ans j'ai fait, hein. 7 ans les prisons. Pourquoi? Je sais pas si je peux vous dire ça, mais ça va vous faire peur, hein. Grand braqueur. Un très grand braqueur. Moi, un braqueur. Je rigolais pas et tout, tu vois. Ah ouais, t'as fait quoi comme braquage? Les braquages ici à Los Santos, j'ai tout fait. Toutes les banques que tu rêves de faire, j'y fais, moi. Moi, j'ai fait 3 flécas, une bijouterie. Ah, et... 3 flécas, ça c'est l'échauffement pour mon fils, ça. C'est rien du tout. Ton fils, tu veux savoir c'est qui mon père? Je suis sûr que tu l'as connu. Ouais, non, j'ai déjà le téléphone, croyant. Et je suis sorti de prison, déjà ils m'ont donné. Je suis sûr que tu connais mon daron. Je suis trop drôle. Ah bon? Ouais. Tu connais Tobias Well? Hop. Pardon, j'ai pas entendu. Tu connais Tobias Well? Il a la prison, lui, là. Eh oui, c'est mon père. Ah, j'ai déjà entendu ça, hein. Bon, les jeunes, pas de bêtises, hein, je vous ai à l'œil. Hein. Vas-y. Toujours j'attends, hein. J'attends. Bon, je suis là. Eh ben, t'as fait mal. Ah. Je vous écoute, du coup. Ah ouais, j'ai oublié de prendre un GPS. GPS, vas-y. Chahal, le GPS. Combien? Tu connais pas quelqu'un et vend une voiture pas chère occasion là? Bah, il faut regarder sur le bon angle. Ouais, j'ai regardé et tout. Mais toi, t'as pas une voiture avec des roues, moteur qui marche, tout non, fonctionne? Moi, j'ai un BMX, moi. Aïe, BMX. BMX. Oh, ouais. BMX. Il est juste là à droite. Ah, c'est pas mal. Et ouais. Ah, tu me le prêtes? J'ai fait un tour. Je te ramène. Bon, là, je le ramène pas. 1 minute later. Salam alaikum. J'ai sorti prison là, si ton là. Je me souviens, c'est pas ton fils qui m'a arrêté, toi? Non. Ouais, c'est j'ai ça. J'ai pas de fils. Écoute, moi je vais pas parler longtemps avec toi, j'aime pas la police. Viens, on fait la carte d'identité, je me casse. 8-2, vous pouvez faire la photo d'identité du monsieur? Là, je pourrais l'appel. Parce que j'ai un problème avec les appels. Ah, ouais, j'en ai sûrement. Alors. Présentez votre carte d'identité, s'il vous plaît. Tiens. Hop, tenez. Ça, c'est le seul. Mouzazi Aziz. C'est ça. Oh, il a une tête. Allez, c'est tout bon. Okay. Personne connaît un voiture occasion? Personne? Alors, pour le permis voiture. Essaye de regarder sur le bon angle. Permis, c'est. Pour le permis voiture, quand vous l'aurez, vous verrez refaire une photo dessus. Mais vous n'êtes pas obligé de revenir ici. Ah non, je suis venu avec les... je suis venu avec le permis du Maroc. Il est valable ici, on est d'accord. Non. Je vais pas payer un autre permis. Attends. Quoi, le permis ici américain? Bah, c'est conseillé pour vous si vous voulez conduire un véhicule. C'est combien le permis américain? C'est 1000 dollars. C'est 1000 dollars. Allez, au revoir. Bon courage. Lui, on va le revol. Putain. Qu'est-ce qu'il se passe? Il est malade, tu vois? Ouais, le hajj, ça va le hajj. Ah bah ça va mon petit, tu es malade? Je t'entends renifler, te racler la gorge et tout ça. La poussière des Los Santos, j'ai sorti prison là aujourd'hui là. Aujourd'hui? Ouais, c'est toi que j'ai vu sur Zoop là. Ouais, qu'est-ce que tu fais photo? Pourquoi tu fais photo toi? Selfie, je te prends pas. Ça peut te soulager. On dirait un afro-mexicain, t'as une tête. Trop belle. Bah dis donc, on respecte un petit peu. Je dis, elle est trop belle. Elle ressemble à rien surtout. Ah, merci pour la tisane. Mais... Comment le gros pif, mon petit? Merci. Merci le hajj, merci. Hein. Ah, bah j'entends que ça va dire le gros pif. La tisane, ça fait du bien. Qui a dit la tête? C'est lui, c'est des gamins. Le hajj, ça vaut quoi? Ouais, bah ça va très bien, on fait aller. Bon, après, tu sais, j'ai mes vieux os qui me font mal, mes articulations, ma cataracte me joue des tours. Ah, mais mon je dieu. Suis encore en vie. Va voir ce bêta là, il faut y aller. Hein.
Zbital, faut y aller, tu fais les soins, tu fais tout, Roya. Hein. Moi, je te ramène oui. des plantes du Maroc, tout, et j'y vais te donner, t'inquiète pas. Ah bon? Ah ouais. Ah bah tu sais, moi je te dis, moi tu sais, tous les petits me donnent de la tisane. Moi je fonctionne à la tisane et tout ça. La tisane. C'est la bonne tisane. Et donc tu sors de la prison aujourd'hui? On a des 6 ans de prison au papier, t'imagines? Le vieux. T'as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? T'as fait quoi? J'ai rien fait, c'est pas moi. Ils m'ont attrapé moi. J'ai fait 14 braquages, mais c'était pas moi, tu vois. Ah bon? Ah ouais, 14. C'est qui alors qui les a fait si c'est pas toi qui as fait les 14 braquages? Je sais pas. Mais Armand, non, t'es sorti de prison, c'est bon, tu peux t'en vanter. C'est qui? T'as fait quoi comme braquage? Je sais pas, c'était pas moi. Entre nous là. J'étais suivi par comment ça s'appelle déjà la Hamar de l'organisation secrète FIB. Tu vas pas me la faire, je vais dire quelque chose, vous allez le dire. Pas à moi. Eux ils sont journalistes, faut pas les croire. Le journaliste, c'est fils de pisse. C'est vous le directeur journaliste? Bien sûr, c'est moi. Fils de pisse. C'est qu'il y a 7 ans. Attends, le vieux. Attends, tu te souviens pas de moi, le vieux? On me doit le respect. On me doit attends. Il y a 6 ans, c'est pas toi qui m'as mis derrière les barreaux? Ah non, bah non, moi j'étais à la retraite depuis longtemps. J'ai dû reprendre le travail parce que j'étais à la rue. C'est qui ce fils d'épée qui avait le truc des journaux là? Il y a 7 ans en arrière. C'était un anglais. Là, avec sa grosse tête là. Fils d'épée, c'était un anglais. Donne le numéro de l'ancien patron, je vais niquer ses mères. Ah bah il n'est plus là, il est retourné en Angleterre, il est à l'envers, il mange de la gelée à la menthe. Ici que je lui cherche, je cherche. Ses genoux, ce bâtard, ils ont fait un article sur moi, comme quoi j'étais pourriture, un pourriture moi. Pff, c'est pas qui je souhaite. Ils ont pas tort aussi. Comme une aspirine. Le hajj, c'était pas un voiture là, qui est occasion là, pas cher. Pourquoi, dis-moi tout. Il faut... J'ai voulu le vélo là, tu crois, déjà j'ai les soufflets, il commence à gonfler là, de les claquettes. Tu vois pas comment ça me fait chier là bah moi aussi, claquettes chaussettes, on a dit le style et le confort, bien évidemment. Ah mais toi t'es tout fripé, le hajj. Ah bah oui, mais ça c'est l'âge, hein, tu sais. Aïe. Tu as besoin d'un véhicule, c'est ça, tu me dis. Sinon je vais acheter, c'est pas grave, mais vas-y, c'est tout. Tu as de l'argent, t'as pas d'argent? J'ai pas beaucoup, hein. J'ai vu le primo là, pas cher, 2000 dollars. Il me manque 1000 dollars, Khoya. Tiens, attends, je vais voir combien j'ai sur mon compte, viens, mon petit. Finalement, elle a augmenté, elle est à 2500 dollars. Garde-toi plutôt à côté, mon petit, Qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, garde-toi à côté. Eh oui, te racle pas la gorge, voyons, c'est mal poli, c'est mal poli. C'est un jeune, le hajj, c'est rien. Va te mettre ça sur ton compte bancaire juste au bout là-bas là. Goûter, tiens, petit cadeau aussi. Voilà aussi, voilà. Hop là. Ton petit café, c'est pour le goûter, c'est important. Voilà. Je prends pas les cadeaux des sarras. Voilà, tiens aussi, voilà, tiens. Oh eh papy, il a jeté mon cadeau, la vie de Marie. C'est quoi qu'il a jeté? Bah des tisanes. Oh le hajj. Salam alaikum, merci. Hein. Voilà. Avec mes safhar bi. Allez, salam alaikum. Paco, promis sauvage. Lui, je le garde en tête, t'inquiète même pas. Udubillah. Ah non, je t'ai pas entendu. Attends, vous me parlez, monsieur? Udubillah, c'est quoi la tenue là? Comment ça, c'est quoi la tenue? Attends, vas-y, je te rappelle. 2022, c'est parti en couille. Eh putain, c'est quoi votre problème? Il est où mon vélo? Vous voulez qu'on se batte, c'est ça? C'est quoi le jugement là que vous faites? Là, vous êtes complètement dans le jugement. Il est où mon vélo? Les habits des gens, vous êtes. Vas-y, dégage-moi la femme, là, dégage la femme. Putain, mais dégage. Il est où mon vélo? Le royal vélo, je l'ai transformé en carrosse. Ouais, carrément, vas-y, je peux l'avoir. Tu veux le vélo? Ouais. Il est dans le coffre, je l'ai plié. Attends, tu plies à 20. Je l'ai plié. J'ai pris une scie, j'ai coupé direct. Attends. Non, il est j'ai vu, il y a un garage d'automobile. Ouais. Tu veux que je te le ramène? Non, t'inquiète, Clem, j'ai une voiture. Oui. Ça va, le hajj? Bah, ça va et toi? Ouais, ça va, on est là. Tu fais connaissance un petit peu, tu reprends goût à la liberté. C'est que la liberté, je te gère la prison. Comment ça va, ma petite Alex? Ouais, il s'appelle comment, cet enfoiré? Attends, ah, bah, c'est Bimo. Ah, merci. Pourquoi elle voulait ton nom? C'est la génération d'aujourd'hui. Je sais pas comment ils s'habillent, les femmes, là, maintenant, ça a changé. Hein. Moi, je sais plus. Je peux te parler, Al-Hajj. C'est quoi cette génération là?
Ah bah tu sais, c'est la quoi, nouvelle c'est... génération. C'est quoi c'est, en 2022, c'est... mon petit. Là, j'ai vu des jeunes là, ils mettent des trucs des cours et tout, c'est n'importe quoi ça. Ah bah on est en 2022, tu sais, moi à mon époque, les jeunes avaient un peu plus de pudeur, hein, et non, puis... mais... on a été un peu plus comme ça, un peu moins foufou, hein. Alors, il y a eu les hippies comme ça, mais bon, les hippies, ça c'était, voilà, c'était qu'un mauvais souvenir, hein, tu sais. Ils nous disaient, oui, vous êtes allés au Vietnam, vous avez honte, alors qu'on servait notre pays. Et puis là, les jeunes, là, ils font une belle manifestation contre la police, tu vois. Pourquoi les filles mon... Ah, manifestation, le police, ça j'y participe, ça, moi j'aime pas la police. Ah bon ouais. Moi, à mon époque, on respectait la police quand même, hein, tu je sais. Je respecte la police, mais que les ripons. Les ribous, mais ça c'est quoi ça? Non, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est bien, comme ça ils nous aident et tout. Mais non, mais la police, ils t'aident si t'arrive des histoires, on sait jamais. Imagine, t'arrives quelque chose. Les polices, les seules histoires qu'ils m'ont fait, c'est derrière les barreaux alors que j'ai rien fait. Mais ça, c'est pas la police, ça, c'est la justice, ça, c'est les avocats. Tout, justice, avocats, tout ce qui termine avec les sirènes. Déjà, tu vois, là, j'entends les sirènes, ça me fait mal à la tête déjà. Oh, il réveille tout le monde. Les ambulances aussi, mais les ambulances au contraire, ils te donnent des médicaments quand t'as mal à la tête. Les ambulances, tout ce qu'ils savent faire, c'est mettre les menottes et tu bouges pas et tu soignes. J'ai connu des personnes en prison. Non, je suis bâtard. Bah oui, tu l'entends pas, il se racle la gorge depuis tout à l'heure là. J'espère qu'il va mourir d'un cancer. Mais non, dis pas ce genre de choses. Papi, laisse-le s'exprimer, les jeunes, laisse-le. Il a besoin de prouver, laisse-le. Prouvez quoi, t'es qu'une merde, voilà. Dis donc un peu de respect, je te tire les oreilles. Hein. Non, tire pas les oreilles, tire pas les oreilles, ça sert à rien. Il va prendre un jeu. T'es ma ce bâtard. Paco. Ah ouais, et alors, y'a quoi? Tu connais mon prénom, mais moi je connais pas le tien, voilà, 1-0, bâtard. Tiens, prends mon doigt. Prends soin de toi, jeune homme. M'en fous, raconte-toi ta vie. Je vais lui niquer sa mère. Cette ville, jamais il veut changer, jamais. Aïe, Wood le haram! Toi, tu viens ici tout de suite, le constat. T'as qu'à arrêter de faire je sais pas quoi sur la route là. Tu descends. Attends, je t'ai vu toi tout à l'heure le 24-7. Les jeunes, comment ils s'habillent maintenant? Vas-y. De quoi les jeunes? J'étais en plâtre, t'as cru que j'allais rentrer chez moi, me changer maintenant là? Tu connais pas ma vie et tu parles. Ouais. Je m'habille comme je veux, après j'ai des préjugés de toi. Écoute, réparation. Ça coûte combien la réparation? Qu'est-ce que j'en sais moi? Ça dépend de ta voiture à ce cas-là. J'ai les réparations, t'as niqué l'arrière, t'as niqué la roue, ça va être difficile déjà, à démarrer. Déjà de 1, t'as qu'à freiner quand t'es là-bas et pas faire un dérapage en plein milieu de la route. Du coup, ton constat, tu te fous dans le cul. Qui a tapé? Merde, c'est moi, mais pourquoi? Parce que t'es en plein milieu de la route en train de faire un dérapage, je sais pas quoi. Du coup, ton constat, tu te mets dans le fiac. Il était vert mon feu. Hein. Certes, il était vert, mais je te parle pas du feu, je te parle du dérapage. Quel âge tu as? Ça te regarde? Quel âge tu as avec ton petit visage de jeune là? Ça te regarde? Dis-moi quel âge tu as, petite. Non, on peut s'arranger. C'est bizarre de demander de l'âge comme ça. Toi. Non, mais on peut s'arranger. Si tu es une petite jeune et tout, tu n'as pas fait exprès, tranquille. Tu vois, je suis pas quelqu'un de méchant. Mais non, mais tranquille, mais tu fais pas de dérapage, voilà. Bon, moi j'appelle la mécane. Tu répares les deux, s'il te plaît. Non, je paye que pour la mienne. Tout rêve, hein. Tu peux me prendre en photo, t'inquiète pas. Bah. Je sais que je suis belle. Hein. Bon, alors, toi, t'es complètement con, mon beau gars. Vas-y, casse ta voiture, t'inquiète, bouffon. Tu t'appelles comment, mon chef? Moi, c'est Bimo. Appelle-moi Bimo. Bimo? Et toi, comment tu t'appelles? Ah, c'est Baby. Bimo m'appelle Baby. Le baby. Ouais. Attends, excuse-moi. Attends, je vais cracher dehors là. Vas-y. Cigarette de merde, un jour. Un jour, elle va me tuer cette putain de cigarette. Ah vache, mais là, t'as couché là, mon chef. Surtout, il vient de la gorge. Ouais, j'ai sorti de prison aujourd'hui. Là, j'ai vu la vie de comment les gens ils s'habillent maintenant. Tout y a changé. Même toi, là, c'est la tenue mécanicien ou tenue de chez toi? Non, c'est juste, je suis chef d'équipe. Le chef. Et ton petit... civil, mon chef. D'accord, petit garage et tout, Mlé, c'est bien. Ouais, je suis les gitans, là. Quel âge tu as, toi? Moi, j'ai 2 ans. 22? 2 ans. Ah, d'accord, c'est bien, j'aime bien les jeunes comme t'as motivé, comme toi. Ouais, je sais pas compter plus de 10, tu m'excuseras, mon chef. Bon, petit. C'est le clic-clic, quoi. Petit Babi, c'est ça?
Baby, baby. Ouais, ouais, excuse-moi, j'ai l'accent, vas-y. C'est dur, hein. Ouais, t'inquiète. Attention à toi, hein. Si, mec, hein, Babanx. Salut, au revoir. Vas-y, bimou. Elle est sur mon sort ? Assalam alaikum, bonsoir. Je voudrais chercher un appartement avec pas beaucoup les moyens que j'ai. Oui, vous avez déjà une idée d'emplacement ou pas ? J'ai pas l'idée d'emplacement, mais j'ai l'idée des portefeuilles. D'accord, dites-moi un petit peu votre budget. Là, j'ai madame, j'ai pas monté avec vous, j'ai 800 dollars. Ben, je peux vous proposer un appartement à 800 dollars la semaine. Tout premier appartement, on n'a pas moins cher. Tu vas me ruiner, madame. Ben, j'ai pas moins cher. L'appartement le moins cher que je puisse vous proposer. Vas-y, donne l'appartement, c'est tout. Je vais mettre l'argent de côté, c'est tout. Est-ce que vous avez comme je l'ai dit, une idée d'emplacement ou pas du tout? Non, j'ai pas l'idée, hein, madame. C'est ton travail, hein. C'est pas mon travail. Hein. Ah, mais peut-être que vous avez une idée, hein. Et moi, y a pas de souci. Ben, écoutez, ce qu'on va faire, on va se donner rendez-vous à l'agence immobilière. J'y suis déjà. Eh ben, on arrive, du coup. J'arrive avec mon collègue. Je peux t'aider? J'ai vu madame au téléphone, là, elle a dit comme quoi j'ai pris un appartement 800 dollars là. Ouais. Et du coup, elle m'a donné rendez-vous et j'y suis là. Ok, y'a pas de soucis. Est-ce que vous avez déjà une idée de. Non. Où vous souhaitiez, non? Non, ok, donc j'ai sorti prison aujourd'hui là. Ok, ok. Moi j'ai juste une question. Est-ce que vous préférez être centre-ville ou excentré? Mais centre-ville ou là, excentré, c'est pareil, hein, c'est tout qui est choisi. À côté de la ville, comme ça, j'ai la pharmacie à côté, j'ai tout, tu vois. Ouais, j'ai vu, c'est de Taco et Tuco. Alors, dites-moi, est-ce que ce genre d'appartement pourrait vous convenir, sachant qu'il y a le garage en T'inquiète pas, t'inquiète pas, moi je viens le payer, on dort par terre, il y a une table, c'est tout, t'inquiète pas. Rina. Ça va, les voisins tranquilles ici ou là? Ouais, mais c'est les ou là des Khemj. C'est des jeunes. Oui, c'est des jeunes. Je vais faire les connaissances. T'as 800, c'est vrai. Ça va, jeune homme. Ça va, enchanté, moi c'est Bémo. Je vais ton voisin. Enchanté, moi c'est Loni. Ah, c'est bien. Moi juste, je préviens, je suis quelqu'un, j'ai 29-30 ans. Juste, moi j'aime bien. Tu peux faire la fête, vois, moi j'avais ton âge et tout, y'a pas de problème. Juste, tu toques à la maison, ouais. Tu me dis je vais faire la fête, tu me préviens, c'est tout. Ouais, moi aussi je pourrais, mais. Okay. Et t'inquiète, de toute façon, nous on n'est pas du genre à faire la fête. Ouais, voilà, moi je préfère prévenir qu'on. Car sur table, tu veux, tu comprends, garçon. Ouais, t'inquiète. Voilà, comme ça c'est bien. Je ouvre la porte, monsieur. Ah, merci, merci. Voilà l'appartement, du coup. Est-ce que ça vous bien. Convient? C'est bon, c'est bien, moi j'ai fait pas les manières. Ok, parfait. T'es gentil, madame. Hein. Il n'y a pas de soucis. Allez, bonne soirée, madame. Okay, parfait. Bonne soirée. Allez, messieurs, dames, rentrez bien, attention, pas le même accident comme l'autre fois, là. Non, pas encore, ils doivent arriver. Salam alaikum. Ils arrivent, là. Ah bah, bonjour, mon petit Bimo. Ça va, vous allez bien? Ah bah, ça va super, et toi? Ouais, ça va, j'ai pris l'appartement, là, c'est bien. Ah, t'es bien, t'as un appartement, t'as pas pris une chambre d'hôtel? Non, appartement direct. Tu me brûles la vie de ma mère, je veux être... C'est quoi, ici? Bah, c'est le Weasel News, c'est là où on travaille. Elle était pas là, avant. Je veux juste en promotion, mon argent. Ça fait des années que tu es là. Alors quand j'ai commencé... Ah bon, il était où? Il était plus l'avenue Maron... l'avenue Marathon. Là où il y a le Life in Vendor, c'est ouais, ça? Ouais. Ah, peut-être, effectivement. C'était il y a longtemps. Allô? Allô? Ouais, le réseau, il marche pas, le réseau, quoi. Allô? Si, je vous reçois. Ah, allô, salam alaikum. J'ai présenté parce que t'as vu l'être motivation. Moi, je préfère pas mon téléphone direct. Salam alaikum, moi c'est Aziz Mouzazi. Je cherche le travail. On m'a dit pizzeria. Peut-être tu cherches. Je suis juste un employé, quoi. Donc, je pourrais pas trop vous renseigner d'accord. Là-dessus. Quelqu'un il travaille là, l'entreprise ou là? Là, actuellement, je sais que. Qu'il y a moi qui suis en service, mais sinon, autrement. Khoya, tu sais pas si quelqu'un. Tu sais pas si je peux rentrer chez vous, travailler avec vous. Ah, non, je suis motivé. Hein. Non, je viens le bled. Sorti de prison du 7 années. Khoya, c'est fini le connerie. Maintenant, je vais travailler. Après, ça vous servait. T'avais pas besoin de le signaler au patron. Non, mais Anna, je montre la motivation, tu vois. Je montre quand même, je suis quelqu'un de responsable. J'ai avoir 30 ans, tu vois. Après ça, y est, les conneries, c'est fini. Faudrait peut-être contacter le patron. T'as le numéro des patrons, s'il te plaît? Non, y a aucun contact. Ah, d'accord, parce que là, je suis devant le restaurant de pizza, tu vois. Je sais pas si je vais trouver quelqu'un. Y a une voiture? Le mobilette. Voilà, scooter. Père, c'est quoi, j'y vais à l'intérieur, j'ai vu du monde et puis voilà quoi. Ah si. D'accord. Ça marche. Merci, monsieur. Assalamu alaikum.
Ah, pas de soucis, bonne soirée. Comment t'es moche? Ah ouais, Starfallah, le perso, donc là t'as abusé. Moche. Ouais, y'a personne. Escribe-moi luego. Allô? Ouais, ah, salam alaikum, c'est qui? Alaikum, ça... Bah, comme ça, c'est qui, wesh, c'est Dick. Ah, Khoya Dick, ça y est. Imagine ce qui vient de se passer là. Qu'est-ce qui se passe, Khoya? On a été convoqué chez le juge. Ah, ouais, mais c'est aujourd'hui que tu sors, toi, normalement. Ah, Roya, ouais. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? De base, on devait pas sortir. Ouais. Bon, comme tu m'avais dit, il y a peut-être des chances qu'on sort, etc., vu qu'il n'y avait pas de preuves, effectivement, on est sorti. Ah, alhamdoulilah. En gros, on a fait 3 piges, dont une année, un an et demi, illégalement. C'était ça, la surprise. Je sais pas, frère, il nous a donné plein de termes bizarres, mise temporaire, je sais pas quoi. Là, on est sorti, on a une petite compensation financière. Et là, on arrive en ville, là, on a commandé un taxi vu que tu répondais pas, et puis on se capte en ville après. Alhamdoulilah, ouais, désolé, j'étais téléphone, je cherche travail et tout. Ça se passe comment, toi, alors, t'as sorti de prison? Ouais, déjà le primo direct. Ah, t'as acheté une primo? Ah, direct, ouais, l'appartement, j'ai plus rien. T'as pris l'appartement? Oui, l'appartement. Vas-y, on va venir squatter avec toi. Ah, j'ai pris 2 clés, t'inquiète pas, j'ai pensé à tout. T'es avec qui, là? Je suis avec Khoya, avec mon frère. Ah, passe le salam à Khoya. Et il y a Aziz qui passe le bonjour. Et du coup, vas-y, tu vas en ville. Dès qu'on est en ville, ouais, je te bip, ok. Vas-y, salam à Khoya. J'ai plus trop de crédit, ok. Vas-y, salam. Attends. Oh, pardon. Aziz. Ouais, Khoya. Alors quoi, je suis au magasin de vêtements là, je t'envoie la poste, tu viens? Allez, c'est parti, bismillah. Vas-y, tu... Ouais, hey, hey, ah! Ah, Khoya, doucement! Toujours tu me l'as fait, c'est là la spéciale. Ça okay. Va, Khoya? Ça va, toi, Hamdullah? T'as vu la primo? Hey, hey, t'as vu? M'lih, hein? Ta tête, elle a pas changé en liberté, pas en liberté. T'as vu la tienne? Massab! Khoya, tu peux. Même pas, tu fais pas le bisou. Dis-moi. Toi, fais-moi un bisou, wesh. Moi, je t'ai fait un bisou. C'est moi qui suis sorti. Ça va, alors? Moi, je suis sorti aussi et personne ne m'a fait de bisou. Ah, frère, t'es sorti tout seul, fallait nous attendre aussi. Vas-y, viens, ok, il est en train de s'habiller. T'as fait quoi depuis alors? J'ai cherché le travail là. D'accord. Pas de résultat, j'ai cherché le pizzeria ou le mécanique, on verra. Hein. Oh, quoi, que t'aimes la tête de Aziz? Oh là, elle a pas changé. Hey, ça va, Khoya? hey, Liberty. Pourquoi tu rigoles, enfoiré? Chauffe la carte d'identité, Khoya. Pourquoi, chauffe. T'as 2 doigts de sortir du cadre. Khoya, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Bismillah. La tête qu'il a! Là, attends. Oh là, elle est sur le côté et tout. Tiens, Khoya. Ah, tu gères. J'ai pas l'argent, tiens. Mais sérieux? Ah ouais, j'ai pris un appartement à côté de la plage, comme ça on va manger les bimoum skakoujak direct. Ah, hello, wait. Est-ce que c'est l'appartement Netflix dont il parle? Je vais pas te mentir, il est dégoulasse. Hein. Je crois qu'ils l'ont détruit celui-là. Dégoulasse. J'ai attrapé les voisins direct. Hein. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit tu fais la fête, tu toques, tu préviens direct. Ah, c'est bien. Direct. Ouais. Et il y a du monde à la place, ça va? Ouais, j'ai vu. C'est là-bas, oh, quoi, à l'époque où on vendait la weed et tout. Ah, Khoya, 2022, j'ai vu des trucs de fou. Hein. Là, j'ai vu les filles 16, 15 ans, tu verrais comment ça s'habille maintenant? Mal shit. Après, c'est normal. Qu'est-ce que tu regardes des meufs de 16-15 ans? Non, j'ai pas regardé. Après, j'ai. Tu me dégoûtes. Non, j'ai pas regardé. Moi, j'ai ma femme Zainor. J'ai des nouvelles de ma femme là. Elle m'a envoyé un message, ça m'a fait plaisir, mon fils. Il fait du rap maintenant. Hey Sam, c'est lui que je t'ai parlé. T'as une femme, toi? Bien sûr, j'ai parlé. Zainor, vous écoutez pas quand je parle, les gars, la cellule. Hein. Frère, désolé. Mon fils Aïssam, il a sorti une musique. Toi, ta tête, toi, t'as une femme? Bah oui, j'ai une femme. Attends, mais elle est au courant? Bah, pas encore, mais j'ai... Bien sûr, elle est au courant, l'Ahmar. Ouais, fais voir, écoute la musique, vas-y. Ouais, c'est mon fils, il s'appelle Aïssam, il a fait un son, ouais, le son de Bled. Mlih, Bled, hein, toi, je cherche. Ouais. À quoi ça? Le téléphone. Hey. Je suis désolé de te dire, mais ton fils, vraiment... Quoi? Quand il rappe, ça pique les oreilles, t'as vu? Mon fils, il fait le qualité. Hein. Ouais, j'ai cherché le khidma, là, j'ai pas trouvé. Hein. J'ai cherché les pizzerias, j'ai vu un petit peu. Mais il faut que je voie le patron. Frère, mais attends, mais toi, t'as un braqueur de monde, qui tu travailler dans une pizzeria? Je sais, mais vas-y, il faut trouver un petit peu l'argent. Il faut qu'il rentre un petit peu. Vas-y, loue l'appartement, s'il te plaît. Vas-y, attends, deux secondes. Okay. Ouais, doucement la voiture. Hein. Mais frère, t'es mal, la voiture, elle est en ruine. Non, c'est comme ça, c'est l'occasion après. Tu sais quoi, viens, on va aller au Béniz, on va voir Djibril. Je connais Djibril. C'est un gars qu'on. Ça fait 2 mois, on a plus de nouvelles. Ouais. Djibril Salah. Je connais pas. Fraîcheur. Celui-là, là, ouais, avec ses cheveux blancs là. Là, ça me dit rien du tout. Tu sais qu'il se regardait dans le miroir là et. Mais tu l'as pas vu, tu l'as vu une fois ou deux, ça, en temps. Ouais.
T'as pas trouvé le locataire. T'es tout dans la salle de musculation ou dans les douches, c'est bizarre ça. Rrrr, doucement, j'ai pas le permis d'être le bled, mais ils acceptent pas ici. Hein. Frère, moi j'ai pas le permis tout court. Ils me l'ont repris. Ah là, quand ils t'ont fait arrêter, ils ont tout repris. Ils m'ont pris ma vie, frère. Ils pas mis vas-y, le stop à droite. Là, direct. Ouais, vas-y, garde-toi. Ah, ça me rappelle des souvenirs ici. Ah, j'ai dit le moins cher, ils m'ont dit 800 dollars, t'imagines? Vas-y, on va voir. Voilà, 800 dollars. Tagine, restaurant, famille nombreuse direct. T'as ta petite femme, tes enfants? Ouais, c'est bien. Ouais, c'est le premier porte, direct. J'ai vu le voisin, il s'appelle Lilia ou Lilane, je sais plus. En fait, c'est bien, on veut pas déranger. Bismillah, enlève les chaussures. Juste, premier plat que j'ai mangé, c'est l'oubia, j'ai pas tiré la chasse. Hein. Sérieux? Elle marche pas. Non, non, 1005. Hey, Starfly, j'ai trop de force. Hey, Khoya. Ah, Khoya. Chama. C'est de leur faute. Ah, moi, j'aime pas les journalistes. Oula. Voilà, cortège. C'est pas l'enterrement, là. 1 minute 37 seconds later. Les Arabes, ils font pas cortège pareil. Bah, le jour où ils m'ont chopé, ils m'ont escorté avec tout ça. Moi j'ai pas eu droit à ça. Ah, moi je repars pas. Par contre, les gars, hein, je préfère vous le dire. Hein, je préfère mourir que repartir en prison. Moi aussi, t'inquiète pas. T'as cru que j'ai passé 3 années. Ah non, moi je repars pas là-bas. Hein. Ouais, c'est quoi ce cortège? One eternity later. C'est quoi ça? Ah, c'est une voiture pour les morts, ça non? Ouais. Là, t'as vu non? Ça s'appelle un corbière. Corbière. Juste une mauvaise nouvelle, ils ont pris mes chaussures à ma sortie, je suis en claquette. Ça va, t'es en claquette, c'est bien. Ouais. Ah, mais c'est Zaina qui m'a offert les chaussures. Hein. C'est qui ça? C'est ta meuf? C'est ma femme, Zaina. Elle est là, wesh. Allô, Maroc, elle est restée là-bas. Inch'Allah, pourquoi pas. Avec mon fils. Ah, mon fils est devenu un star. Hein. Star, je suis bled. Un star. Un star, ouais. Ah, croyez, respect. Continue à te foutre de ma gueule. Et... Brian, là. Ah, Brahim, je préfère l'après Brahim mieux. Inch'Allah, tu vas devenir musulman comme moi. Tu sais que j'ai déjà été dans le passé. Ouais, tu m'avais raconté un petit peu. Ouais, un ex-musulman. Ça dépend dans quelle situation je me trouve. Soit je suis bouddhiste, soit musulman. Ah, il faut continuer, khoya. Faut pas lâcher. Alhamdulillah. J'ai jamais vu autant de monde dans une église. Écrase-les. T'as vu la génération d'aujourd'hui? Ils respectent pas. Hein. Encore. Ah là. Tu vois, ils parlent pas tout court. Bonsoir. Salam alaikum. Salut. Elle a le taché noé, ça va quoi? Pardon? Ça va le chien noé bien? Alors je sais pas chez lui déjà. Et. Oui, ça va très bien. Alhamdulillah. C'est le chinois non? Exactement. C'est ce que je viens de dire, mais il comprend pas. Mettez-vous devant 88. Non, c'est que c'est pas. Mais si, mais quand même, c'est le meilleur ami. Écoutez-moi. Ok, comme vous voulez. Alors le monsieur l'avocat. Bonsoir à tous. Monsieur l'avocat, c'est ça? S'il vous plaît, je sais pas si les personnes derrière la croix, qui est quand même massive, peuvent m'entendre. Ouais. Mais dans une église. Ouais. Et t'es un rebeu. Et alors c'est pas interdit, hein? Ah, bon, on m'avait dit que... Est-ce que tout le monde m'entend? Blacklisté l'église. Oui, on vous entend bien. Tant que j'écoute pas. Parce que là, je vous prierai, s'il vous plaît, dans la salle, de ne pas crier, de chuchoter, pour éviter ce genre de débilité. Alors nous retrouvons aujourd'hui pour la mort d'un agent que vous connaissez tous. Le jeune agent 20 est tombé parce qu'il travaillait au LSPD. Au danger. Il sait bien que chaque mission, même la plus anodine en apparence, tel un contrôle routier, peut basculer dans le drame. Le policier s'est exercé à un métier noble, un métier de courage et d'abnégation, parfois au péril de sa propre vie. Danny Wells est tombé parce qu'il avait fait le choix de cette vie, de cet héroïsme au quotidien. Oui. Car c'est cela d'être policier. S'exposer soi-même pour le bien de tous. Le sergent Wells était fidèle à cette exigence et portait avec honneur et fierté l'uniforme du département de police de Los Santos. Je vous invite à lui rendre un dernier hommage et vous appelle à venir faire parler votre cœur à côté de moi, en face du micro. Et je vous demanderai de ne pas postillonner pour des raisons sanitaires. Amen. Merci. Bravo, félicitations. Quelqu'un d'autre? Vas-y, tu peux faire un speech. Un petit mot. Attends, beaucoup de choses à. Allez-y, mademoiselle. Montre l'exemple. T'inquiète pas. Ouais, ouais. Un petit discours comme tu faisais à l'ancienne. Jamais dans une église. Je respecte Dieu. Peut-être pas les hommes, mais. T'as respecté quelqu'un toi avant?
Écoutez, j'ai rien d'autre à rajouter. Qu'il repose en paix. Si t'as des choses à rajouter, toi, on le sait. Père son âme, oui. Amen. Moi, j'ai quelque chose à rajouter, là. Allez-y, allez-y. Poussez-vous, monsieur. Allez-y, monsieur. Vas-y, dis-leur ce que t'as sur le cœur. Salam alaikum. Bonsoir, on est en Amérique quand même. J'ai entendu dire qu'il y a police et les morts. Moi, je vais pas mentir, je sais pas quelqu'un l'hypocrisie. Anna, je m'en bats les couilles, il est mort. C'est quoi? J'en suis bien content. Chez là, qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi. Je m'en bats les couilles, il est mort. Je m'en bats les couilles. Calmez-vous. Oh, je m'en occupe.